Souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous, et non un adieu. Il est temps que j'y aille. Bien sûr. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et si besoin, je serai là pour t'aider. Aussi sûr que le soleil brille. Ces crapules d'océan qui s'allument. À l'œil. J'étais en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval, je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies, non ? C'est à moi que tu demandes ? T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Et après tout ça, quel va être le programme d'Erend de l'avant-garde ? Je vais rentrer à la requête pour un temps, puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours, plus d'alcool. À ton avis, qu'est-ce que les Océram vont faire à Derval ? Déjà, ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Des tueurs à traquer, des machines à dompter et au pas de course. Tu sais quoi ? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux ? Elle m'aime bien. Tout le monde a besoin de pierres, on s'est dit. Allez, viens, parlons. Et les prix augmenteront. Achète ce dont tu as besoin, et uniquement ce dont tu as besoin. Thank you.
plus de place. Je garde ça pour la route. C'est sûrement le camp Banouk dont Vilgund m'a parlé. Je me demande ce que sont devenus les autres mercenaires qui l'ont envoyé. Mais les machines sont dociles. C'est comme si elles avaient déjà été piratées. Il chasse des machines et plutôt bien, mais il reste aveugle à la lumière bleue.
chamans ne seraient sages de les en empêcher. Quel honneur. La neige est glace de voir ces machines. Comme ça, d'aussi près, c'est... C'est de la bouse. Pardon ? De la bouse gelée. Ce ravageur m'a amené. Je l'ai pourchassé depuis les rivales où il a tué un grand chasseur. Coupé en deux. Un défi que j'ai accepté. Mais en arrivant au camp, la rage l'a quitté. Et c'est une mauvaise nouvelle ? Tikouk dit que c'est un don. Un don, c'est une récompense non méritée. Les machines sont censées nous mettre au défi. Et je me retrouve là à protéger les chamans. D'instant fertilisé, des kilomètres supplémentaires nous éloignant du troupeau. D'autres Vérac pourchassent notre troupeau. Nous remporterons la première bataille. Mais nous devrons nous montrer malins. Je n'aime pas passer autant de temps sans chasser. Je deviens nerveuse, et mes muscles s'arrêtent. Les compétences chasseresses fondent comme neige au soleil. Retournons traquer le troupeau pour conserver notre réputation. Je suis la meilleure chasseuse de mon Vérac, et personne ne pourra me retirer cet honneur. Abanour, on chante déjà des chansons relatant mes chasses. Ces terres sont pleines de bruit, mais il ne s'agit que de bruit. Les terres Banouk sont bien moins hospitalières que celles-ci. Chasser ici est un divertissement bienvenu. Les chamans m'indiquent que les troupeaux se dirigent dans cette direction. Je n'aime pas passer autant de temps sans chasser. Je deviens nerveux et mes muscles s'impatientent. Les chamans m'indiquent que les troupeaux se dirigent dans cette direction. Je me sens vieillir de jour en jour. Je ne quitterai pas ce ravageur des yeux. Je vais cogner dans la neige. Je me sens vieillir de jour en jour. J'ai déjà démontré ma valeur lors d'une centaine de chasses, et l'on entendra ma chanson lors d'une centaine d'autres. Un endroit où les esprits ont calmé la violence des machines.
Ça semble incroyable. Prêt pour la chasse. J'ai déjà démontré ma valeur lors d'une centaine de chasses. Et l'on entendra ma chanson lors d'une centaine d'autres. D'autres Vérac pourchassent notre troupeau. Nous remporterons la première bataille, mais nous devrons nous montrer malins. Une Nora aussi éloignée de son étreinte, qu'est-ce qui a bien pu la conduire ? Bonjour, Nora. Je suis Tikuk. Shaman, c'est... C'est la première fois que je vois ça. La lumière bleue est forte ici. Mon peuple a fait un long voyage depuis Banu pour la contempler de leurs propres yeux. La lumière bleue ? La lumière de l'esprit des machines. Elle nous entoure. Elle nous éclaire. C'était le cas jusqu'à récemment, avant qu'elle ne se mette en colère. Je connais le dysfonctionnement, mais je ne savais pas que les machines pouvaient être aussi calmes. D'où vient ce phénomène ? Nous ne savons pas vraiment. Nous chantons et nous écoutons. Le chant des machines. Tikuk, d'autres étrangers sont passés par ici récemment ? Des Océram, en effet. Ils étaient convaincus que les machines étaient des traqués. Comme si les machines n'étaient que des appareils en panne. Enfin, c'est ainsi que les Océram voient le monde, n'est-ce pas? On a partagé le repas. Puis, quand ils ont compris qu'il n'y avait aucune explication, ils sont partis avec la lumière du Nord. Les machines chantent pour vous? Entre elles. Tu es une chasseuse. Tu as dû les entendre. Leurs communions et leurs hymnes, leurs appels et leurs cris. Nous ne sommes pas censés comprendre, mais nous tentons de les interpréter. Quel est le chant qui les a mis en colère, les a poussés à nous attaquer? Quelle chanson les apaise? Flotte-t-elle dans l'air ici, hors de portée de nos oreilles? Comment apaiser le monde des machines? Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? J'ai été guidé ici par une tempête. J'ai d'abord pensé que la musique venait du vent, mordant la paroi glacée de la montagne. Mais non, c'était le chant du gueule d'orage. Je l'ai trouvé agenouillé là, son métal immobile, et je me suis abrité dessus. Quand la tempête s'est dissipée, son chant a cessé. Son esprit a dû quitter son enveloppe. Ou alors... Il dort sereinement.
Nous n'avons pas désossé et pillé son corps. Nous le traitons avec le respect qui lui est dû. Ça t'ennuie si je jette un œil, Tikouk ? Parle, commerce, écoute, comme tu voudras. Tu n'as rien à craindre ici. Donc les Banouks n'ont rien à voir là-dedans. C'est cet endroit qui est spécial. Ils ne voient rien, mais mon focus trouvera peut-être. Que ton chant résonne. Dirigeons-nous vers le nord pour suivre l'appel du froid et de la glace. Réserve ta chaleur. Révèle à toi. Fais honneur à ton ferraille. Pourquoi est-ce que les esprits des machines nous laissent approcher sans encombre? Ces bois sont un endroit magique. Les Nora sont de très bons chasseurs de machines. Mais je me demande si elle a déjà vu. C'est là que les Banouks doivent monter et descendre de la montagne. Je devrais regarder ce que voit mon focus. Je ne crois pas que la chasse sera plus simple uniquement parce que le climat est plus favorable. Elle requiert une préparation optimale. Meilleur chasseur de mon Vérac, personne ne pourra m'en tirer ça. Oui, dans ces bois, j'ai pu passer ma main le long du flanc métallique d'une machine meurtrière. C'est la vérité. Que des chants soient composés en vérité. Que de nombreux défis s'offrent à toi. Ça vient du sommet de la montagne. Je ferais mieux d'aller voir. Les Nora sont dirigées par leur femme, non? Est-ce là une de leurs chefs? Thank you.
Les étincelles ont l'air paisibles. La nouvelle, j'imagine. Plus loin que votre bourse, Bill! Vous ne pouvez pas nous laisser ici! C'est Bill Goon qui t'envoie. La conscience s'achète, apparemment. On s'en fiche, jeune homme. Tu dois arrêter les autres. Plus loin, on est monté ici, on a trouvé un genre d'appareil ancien. Aucun doute, c'est bien ça qui modifie le comportement des machines. Les autres abrutis ont voulu l'emmener à Belvédère pour le vendre. Mais il était déjà cabossé. Comme s'il était tombé du ciel. On a essayé de les empêcher de l'extraire. Sans cette chose ici, ces Banouk vont se faire massacrer. Je vais les arrêter. Fichez le camp d'ici. Vous avez fait suffisamment de dégâts comme ça. Tu n'as pas tort. Qui es-tu? T'es pas une de ces Banouk? Oh, trop tard. Laissez-moi regarder. Attends un peu. Ce truc est à nous. On l'a chopé. Pourquoi tu le voudrais? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Je sais pas quoi penser. C'était ton idée. T'as commencé, t'as qu'à finir. Ok. C'est peut-être juste de la camelote. Mais on peut le vendre pour les pièces. Je te repose la question. Pourquoi tu le veux? Ça a plus de valeur pour moi que vos vies. Vous voulez toujours négocier? Laisse tomber. Tout ce que l'Est m'a donné, c'est des engelures. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Dysfonctionnement critique. C'est pas tout jeune. Et il envoie un signal depuis tout ce temps, de plus en plus faible. Je dois retourner au camp, avant que les machines me le détruisent.
Non, elles ont commencé à attaquer. La chasse reprend. Les machines sont en colère. Gardez vos distances. Ce serait... défendez le camp. Ça pourrait changer la donne. Nora. Savais-tu que ce changement allait arriver ? Non, pas tout à fait. Mais je sais que beaucoup de choses changent dans le monde. Là, c'étaient les étrangers. Ces Oseram pensaient... Les Oseram ne pensent pas. Ils ne comprendront jamais l'équilibre entre nous, entre l'homme et la machine. La lumière bleue a disparu. Il nous reste de nombreux chants. Des chants de lamentation. Et non de gratitude. Et maintenant, tu vas retourner là d'où tu viens ? Lorsque nous enseignons aux petits à marcher sur la glace, nous leur disons « Le secret, c'est de faire un pas, puis un autre. » Peut-être qu'un jour, nous comprendrons le mystère des machines. Je l'espère. Bonne chance, Tikouk. Pas me chercher aujourd'hui. Le premier qui se pointe à moi, il va le regretter. Thank you.
faire un petit déjeuner. Heureusement que t'as de l'ombre. Je cherche des aventuriers, de préférence... Étrangère. Vous cherchez... Mais je connais ce visage. Alors, tu es rentré? Raconte-moi tout. C'était compliqué. Ah, j'aurais dû parier là-dessus. Les machines dociles, c'est dur à expliquer, mais c'est un signal qui les apaisait. Tes hommes étaient cupides, alors ils l'ont pris. Les paris paient rarement. J'aurais dû être marchand d'armes. Il y a toujours du boulot. Tiens, prends ça. Le reste de la paix de ces grosses brutes débiles. La moitié? J'ai fini le travail. Comment vous disiez? Assez pour une tenue plus adaptée? Qu'est-ce que tu veux? De la soie carja? Ah! Étranglé par les cordons de ma bourse. Je ne savais pas que le Roi Soleil avait des alliés noirs. Je vous propose une part raisonnable dans une opportunité lucrative.